Ông quý chồng. Ông chủ nhiệm đã bắt đầu cái tổng đại can để thi sạm nạc ca. Sạm nạc ca được ngày này, ông nhiệm đã phương sạm nạc ca sẽ đập tập khí cầm xã xây để miền là dân niêm PTCW bầy rồi xài sắp mùi. Làm gì sạm nạc ca? Lúc em hỏi là đi cầm bị thân phí bắt đầu miền, bắt đầu miền phía kỳ nạc bộ cổ để ông nhiệm đã có hỏi chơi nhà chỗ rùm được nông cách. Chỗ chỗ miền bánh hà, bộ bài phía xa, bộ bánh hà. Un, deux, trois. President, le président, allow us to resume our session. Nous reprenons donc. The court is now in session. L'audience est ouverte. Today, the chamber will hear the testimony of a witness to TCW 846. Mr. M. Hoy, please report the attendance of the parties and other individuals at today's proceedings. Greffier. Le greffier. Mr. President. For today's proceedings, all parties to discuss are present. Toutes les parties à l'audience sont présentes.
Mr. Nuti is present in the holding cell downstairs. He has waived his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. A witness who is to testify today, that is to TCW 846, confirms that to the best of his knowledge, he has no relationship by blood or by law to any of the two accused, that is Nuti and Kyu Sampon, or to any other civil parties admitted in this case. The witness threw an oath before the Iron Club statue this morning and is in the waiting room to be called by the chamber. The witness has some problems with his eyes, so he cannot read. Le témoin a des problèmes de vue, il ne peut pas lire. President, thank you. Merci. Court officer, please usher the witness into the courtroom. Veuillez faire entrer le témoin dans la salle d'audience. President, good morning, Mr. Witness. Le président. What is your name? Bonjour, monsieur le témoin. Comment vous appelez-vous? Witness, my name is E. Woon. Le témoin. Je m'appelle E. Woon. President, thank you, Mr. E. Woon. Merci, how old monsieur are you this year? Comment, quel âge avez-vous cette année? And please, Mr. E. Woon, observe the microphone. You should speak after you see the red light on the tip of Veuillez the microphone. Veuillez attendre que le voyant rouge s'allume sur votre micro pour répondre. And sir, réponse. I am 79 years old. J'ai 79 ans. President, thank you. And merci. Where were you born? Où êtes-vous né? And sir, réponse. I was born in Samraung commune, dans la commune de Samraung, Sot Nikum district, dans le district de Sot Nikum. And currently I lived in Chikrang district. J'habite maintenant dans le district de Chikrang. Question: in which village and Question. Commune? Et dans quel village? Chikrang district. Et dans quelle commune du district de Chikrang? Answer. Réponse. The village is Yin. C'est le village de Yin. Question: and which commune? Question: quelle commune?
Answer. It's Rousseille commune. C'est la commune de Rousseille. Question. And what is your current occupation, Mr. Yvonne? Quelle est votre profession, Monsieur Yvonne? Réponse. Answer. I stay at home. Je suis à la maison. Question. What are the names of your parents? Comment s'appellent vos parents? Answer. My réponse. Mother is Ma mère Pen, s'appelle and Ruh my Pen. Father Et is Lum Yi. Lum Yi. Question. What is the name of your wife and how many Comment children votre do you épouse? Have? Combien d'enfants avez-vous? Answer. Réponse. My wife is Lui Hing. Mon épouse s'appelle Lui Hing. And we have 8 children. Nous avons 8 enfants. Thank you, Mr. Yvon. The greffier made an oral report that, to your best knowledge, le greffier a indiqué qu'à votre connaissance, you are not related by blood or by law to any of the two accused, that is, Nunchi and Kyo Sampon, or to any of the civil parties admitted in this case. Dans ce dossier. Is this information accurate? Answer, yes, réponse, it oui. Is. President, have you taken an oath before Avez-vous your également appearance? Prêté serment devant that is, have you taken an oath before the Iron Club statue du génie à la barre to de the fer. East avant of d'entrer the dans chamber? Le prétoire, cette statue se trouve à l'est du tribunal. Answer, yes, I réponse, have. Réponse, oui. President, thank you. The Chamber Question. Would like to inform you now of your Merci. Rights and la obligations va maintenant as vous a witness. Vos droits et obligations. Your rights. As a witness in the proceedings before the chamber, dans la chambre en qualité de témoin. You may refuse et à ce titre, to respond vous pouvez refuser to de répondre question à toute question or to make any comment ou affirmation susceptible which may incriminate you, that is your de vous right incriminer against et de faire toute déclaration lorsque cela vous exposerait à des poursuites. As for your obligation as a witness in the proceedings before the chamber, tant que témoin, vous êtes you must aussi respond tenu to any de questions répondre à toutes les questions by the relevant que vous parties. Les juges ou les parties. Except where your response or comments to those questions may incriminate you, as the chamber has just informed you of your rights as a witness. Droit à ne pas témoigner contre vous-même, you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant tout événement to dont the vous avez questions en rapport avec la question posée that the bench of parties posed to you. And Mr. Yvonne, Monsieur Yvonne, have you provided any interview to the investigators of the office déjà été of the par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? Answer, yes, oui. I have. Question. How many times Combien de fois? Went Où? And where? Et quand? Réponse. Answer. I was interviewed at my house. J'ai été entendu chez moi, dans ma maison. And how many times? Question. And when? Combien de fois? Et quand était-ce? Answer. Réponse. I was interviewed 3 times. 3 fois. And question, do you recall question. Which years? Et vous souvenez-vous Please de l'année? Please observe the microphone before you Attendez respond. Que votre micro soit allumé, s'il vous plaît. Answer, I cannot recall the years. Réponse, je ne me souviens pas de l'année. President, that is all right. Le président, ce n'est And pas grave. Before you appear before the chamber... Have you reviewed, read, or have the written records lu, read aloud to you? Le procès verbal I refer de ces to auditions. The written records of your statements you provided to the OCIG investigators in order to refresh your memory. Okay. Les avez-vous lus ou vous les a-t-on lus afin de vous rafraîchir la mémoire? And, yes, I have them read aloud to oui, me last on les a night. Lus la nuit dernière. Question.
to your best knowledge and recollection. Et d'après vos souvenirs, à votre connaissance, Those written records of your statement consistent with the answers you provided to the OCIJ investigators at your house? Chez vous? Answer, yes, réponse. They are consistent. Oui. President, thank you. And pursuant to rule le président. 91 bis. Merci. En application de la règle 91 bis du règlement intérieur des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Given first to the co-prosecutors. And the combined time for the lead co-lawyers and co-prosecutors is 2 sessions. You may proceed. Vous avez le temps. Merci et bonjour Monsieur le Président, bonjour à Messieurs les juges, good morning, Mr. bonjour à toutes les parties. Good morning, Your Honor, and good morning, Monsieur le témoin, mon nom est Vincent de Wilde et je vais vous poser donc des questions au nom du bureau des procureurs. Je vais vous demander d'être très attentif aux questions que je poserai et de me signaler chaque fois que vous ne comprendrez pas une question, de manière à ce que je puisse la répéter. Je vous demande également d'être précis, de ne pas inventer de quoi que ce soit, et simplement répondre aux questions. Si vous ne savez pas, simplement dites-le et n'inventez pas. Voilà, je voudrais commencer avec une question concernant l'endroit où vous habitiez, ce que vous faisiez. À partir de quand avez-vous habité au village de Ying, dont vous avez déjà parlé? Ye village, which you referred to before. I started living in Ying village 50 years c'était ago. C'était il y a 50 ans que j'ai commencé à vivre au village de Ying. Quel était votre métier avant avril 75 dans le village de Ying? Que faisiez-vous? I didn't have any official je n'avais pas position. De poste officiel. Président, Deputy Co-Prosecutor, please hold on and be seated. Thank you. In fact, I haven't yet announced the decision on the request by Nguyen Chia. La décision de la Chambre sur la demande de Nguyen Chia. The Chamber has received a waiver from Nguyen Chia dated 15 December 2015, which states that due to his health and back pain, he cannot sit or concentrate for long. And in order to effectively participate in future hearings, il souffre de maux de dos et d'étourdissement, il a du mal à rester assis longtemps et se concentrer pour assurer sa participation effective aux futures audiences. L'intéressé renonce à son droit d'être physiquement présent dans la salle d'audience pour les audiences d'aujourd'hui. Having seen the medical report on OJ by the duty doctor, j'ai aussi saisi un rapport du médecin des CETC for the accused at the ECCC, l'accusé, dated 15 December 2015, which notes that Nguyen Chia has back pain when he sits for long, and recommends that the chamber grant him his request that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information, I presume to rule at event 5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nuki his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via audiovisual means. The chamber instructs the AV unit personnel to lead the proceedings to the room downstairs so that Nuki can follow his supplies to the whole day. And again, the floor is given to the deputy co-prosecutor to put further questions to the witness. You may proceed. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, thank you, Mr. President. Est-il correct de dire que sous le régime du Cambodge démocratique entre 1975 et 1979, le village de Ying faisait partie de la commune de Sang Voi, mais pas de la commune de Rusei Lok? Not part of Rusei Lok commune. It was in Rusei Lok commune. Not Sang Voi commune. Sang Voi.
Est-ce que ces deux communes n'ont pas été séparées par la suite après le régime de Khmer Rouge? Subsequently, after the Khmer Rouge regime, ne formait-elle pas une seule commune auparavant et puis aurait-elle été séparée ensuite? Had they not been merged into one commune before and separated after the afterwards? It was later on separated. Elles ont été scindées plus tard. And that happened after the fall of the Khmer Rouge regime. Du régime Khmer. Previously, it was known as Sangvai Commune. C'était connu sous le nom de la commune de Sangvai. D'accord. Justement, nous allons nous concentrer sur cette période-là, 1975 à 1979. Et peut-être que vous pourriez nous dire, après la prise de Phnom Penh, le 17 avril 1975, est-ce que vous avez occupé des fonctions particulières au sein de votre village de Ying? J'ai travaillé dans les rizières. D'accord, je vais juste clarifier ce point avec vous. Dans votre procès verbal d'audition E3/7685, à la page 2 dans les trois langues, c'est à la deuxième question et réponse. On vous a demandé, après le 17 avril, que faisiez-vous? Et vous avez répondu, on m'a nommé membre du village. Ensuite, on m'a nommé médecin traditionnel du village. Que voulez-vous dire quand vous disiez, vous avez dit que vous étiez membre du village? Est-ce que cela veut dire que vous étiez membre du comité du village? I was a member of the village committee. J'étais membre du comité de village. And later on, I was asked to be a traditional healer to treat and heal people in the village. D'être soignant traditionnel pour soigner les gens du village. Et jusqu'à quelle date environ, pendant combien d'années avez-vous été membre du comité du village? For how many years were you a member of the village committee? I was a member of that committee pendant un an. I was then evacuated from the village. Évacué du village. Vous avez dit également que vous étiez médecin traditionnel du village. Est-ce que c'était bien au village de Ying que vous avez été médecin traditionnel? Et est-ce que vous avez exercé ces fonctions-là? Est-ce que vous avez exercé ces fonctions? I was a traditional healer dans le village de Ying. Est-ce que vous avez été guérisseur traditionnel jusque 79 et l'arrivée des Vietnamiens? Were you a traditional healer up to 1979 when the Vietnamese arrived? Yes. Oui. I was a traditional healer until 1979. Jusqu'en 1979. En plus d'être guérisseur, est-ce que vous deviez travailler également dans une unité de coopérative aux travaux agricoles? Non, because we were all separated by 1979. Nous étions séparés dès 1979. Oui, je me situe toujours dans la période 75-79. Yes, donc au village de Ying, vous avez dit que vous étiez guérisseur traditionnel jusque 79. Est-ce que entre 76 et 79, vous avez également dû travailler dans les rizières ou à la construction de digues, de canaux? Attendez que la lumière rouge soit allumée, s'il vous plaît. Work size for the construction of canals and dikes. I was assigned to work in the rice field. On m'a envoyé travailler dans les rizières. Between 1976 to 1979. À 79.
Et lorsque vous travaillez dans les rizières, est-ce que vous habitez toujours au village de Ying? Fields, were you still living in Ying village? Et si oui, and if yes, et si oui, à quelle distance de la pagode de Ksa? À quelle distance de la pagode de Ksa habitiez-vous? It was about 300 meters. C'était environ 300 mètres. However, this is my personal estimate. Mais c'est une estimation personnelle. À quoi servait cette pagode du village de Ying, la pagode the pagoda Ksa, entre 1975 et 1979? Quels étaient les usages que les Khmer Rouges en avaient fait? What use did the Khmer Rouge make of it? It was used to store rice. La pagode servait à stocker le riz. Actually, the temple was removed. Le temple en tant que tel a été démoli. Et l'une des résidences des moines servait au stockage du riz. Est-ce qu'il y avait des gens qui habitaient cette pagode durant Were cette période? Were there people living in that pagoda during that period? Not me and no, there was none. No. Est-ce qu'il y avait une unité de miliciens ou was de militaires qui était basée là en permanence? Or a military unit that was based there on a permanent basis? Not me and they. No, there wasn't any. Non. However, sometimes I saw il n'y en avait pas. Them, mais il m'est arrivé d'en voir et rester. Mais des fois, je n'en voyais pas. En tant que membre du As comité du village, of the village committee, entre 75 et 76, et puis plus tard, en tant que médecin traditionnel, later, as a traditional healer, est-ce que vous étiez proche du chef du village, close to the village ou chief, de la coopérative? Or to the cooperative chief? No, I was not close to them. Non, je n'étais pas proche d'eux. Est-ce que vous vous souvenez du nom du chef Do you du village, remember the name of the village chief? À l'époque, entre 75 et 79, back then, that was ou to say, between 75 des chefs de village, and 79, si jamais ils ont changé. Of the village chiefs, if, the chiefs changed. The village chief in 1976 to 79 is known by the name Soy. But du village. The person named Soy, he died already. Mais cette personne est déjà morte. Et qui était l'échelon supérieur And, du chef du village Soy? Who was above, the village chief Soy? Comment s'appelait donc le chef de la commune de Sangvoy à l'époque? Sangvoy commune chief's name. Mais comme Sangvoy, non? The chief of Sangvoy commune. Le chef de la I could not remember all their names. Mais je ne me souviens pas de tous leurs noms. Et au niveau du district de Chitreng, est-ce que vous vous souvenez du chef de ce district? Do you remember the chief, the name of the chief of that district? No, I cannot remember. Non. Dans quel secteur se trouvait le district de Chikreng à l'époque? Which que vous sector was Chikreng district located back then? Did you know? No, I don't know which sector it belonged to. Non, je ne sais pas à quel secteur ça appartenait. Coffin.
Je vais en revenir alors à ce qui s'est passé dans votre village et aux gens qui y habitaient. Je voudrais m'intéresser à certains villageois, en particulier Yin Village. Est-ce qu'à l'époque, entre 75 et 78, vous connaissiez une jeune femme qui s'appelait Chanta? Chanta. Yes, I know. Oui, je le connais. I know Chanta. Je connais Chanta. Est-ce que vous pourriez me dire and où elle travaillait where à l'époque? She was working back then? She worked in the mobile unit. Elle travaillait dans l'unité mobile. Est-ce que vous vous souvenez de sa famille et en particulier de ses grands-parents? And in particular her grandparents. I also remember his name was Takot. Takot était son nom. And his Vietnamese mother. Et sa mère vietnamienne. I don't know. Je ne m'en souviens pas. Her name it was Ye Hai. Ye Hai. Vous avez mentionné Ye Hai. You spoke about Ye Hai. D'autres personnes ont parlé de Ye Ma. And other people spoke about Est-ce Ye que Ma. Cela vous rafraîchit la mémoire so concernant son nom? This refresh your memory with regard to her name. Le président, monsieur le témoin, veuillez observer votre micro. Her name is Ye Hai. Ye Hai. Merci. Thank you. Une petite remarque à l'attention de l'interprète. Est-ce qu'elle pourrait se rapprocher du micro? Parce qu'on l'entend très may mal. May the interpreter come closer Merci. To the microphone because we cannot hear her very well. Monsieur le témoin, de Witness. Quelle origine était Chanta What was ainsi Chanta's que ses grands-parents? As well as her grandparents? Ye Hai was an ethnic Vietnamese. Ye Hai était d'origine vietnamienne. Chanta was the adopted child. Était l'enfant adopté. And her Chanta's father name is Hiu. And Ye Hai adopted Chanta to be her child. Chanta pour qu'elle devienne son enfant. Qu'était-il arrivé aux parents de Chanta? Est-ce que vous le savez ou bien personne you know, ne les a connus au village? Or nobody knew them in the village. I don't know about that. Je ne sais pas. Those people were collected and taken away. Ces personnes ont été rassemblées et emmenées. Et la grand-mère alors de what about, Chanta, Chanta's est-ce qu'elle parlait vietnamien? Did she speak Vietnamese? Est-ce qu'elle s'habillait comme une vietnamienne? Did she dress like a Vietnamese person? Yes, she spoke Vietnamese. Oui, elle parlait vietnamien. President, witness Yvonne, please answer to the question. Because you gave the answer while your microphone was not on. So parties haven't heard your answer yet, so please answer again. Witness, please, could you repeat your question? Pourriez-vous répéter votre question devant le témoin? Oui, j'avais tout d'abord demandé yes, si first I asked you la grand-mère de Chanta parlait Chanta's vietnamien grandmother et spoke Vietnamese, également, est-ce and qu'elle I also asked you s'habillait comme une vietnamienne, if she dressed est-ce qu'elle like a Vietnamese célébrait person, les fêtes and if she vietnamiennes? Also celebrated the Vietnamese holidays and, Yes, she followed the Vietnamese tradition. Oui, elle suivait la tradition vietnamienne. She wore Vietnamese clothes. Elle portait des vêtements vietnamiens. Est-ce
Est-ce que tout le monde au village savait donc que so therefore, did cette everyone famille était in une the famille village pour know partie vietnamienne? That this was a family of Vietnamese origin, or at least in part. Yes, they know that it's a Vietnamese family. Oui, ils savaient que c'était une famille vietnamienne. Alors, s'agissant d'une autre now, famille, est-ce que vous connaissez family, une habitante you know du village de Ying qui s'appelle a villager Long Khun? In Ying village by the name of Long Khun, a female villager. No, I don't know the name of the person. Je ne connais pas Lon Khun. Le nom de cette personne, Lon Khun. Est-ce que Lon Khun not girl there? No, the name of the person by the name Lon Khun. Je ne connais pas le nom de la personne qui porte le nom de Lon Khun. Son mari à l'époque, her husband, de Khmer Rouge s'appelait Chum. Back then was called Chum. Est-ce que cela vous dit quelque chose? So does that ring a bell? Loi Khun School. I knew Loi Khun. Loi Khun, je connaissais. And another person was known by his full name, Sia Chum. Sia Chum, c'était son nom complet. Est-ce que cette famille avait d'autres membres également, comportait d'autres membres? Other members in that et pourriez-vous nous dire lesquels? And can you tell us est-ce which que Chum ones? Avait des frères et sœurs, des parents, sisters, or relatives? Des nièces, des neveux? Nieces, nephews. Ban. Chum, non? Yeah, Chum, non? Chum. Chum. Chum had a wife known avec by the name Loi Khun, qui portait and le nom she is connue sous le nom ethnic de Loi Khmer. Khun, et elle était Khmer. Loi Khun is ethnic Khmer. Loi Khun est Khmer. And they had about eight or nine children. Et ils avaient 8 ou 9 enfants. Est-ce que Chum, comme vous l'avez dit au juge d'instruction, avait have, un petit frère appelé Kir, to the co-investigating judge, a brother by the name of Kir, et a younger une sœur appelée Hong, and a sister by the name of Hong. Ban thi bia prap chmuh Hong Hong Srei was a female. Kir no Kir was a male. They were children of Chum. C'était les enfants de Chum. Et de quelle origine étaient Chum, Kia et Hong? What was Chum, Kia and Hong's origin? The mother was Vietnamese. La mère était vietnamienne. And the father was père an ethnic Chinese. Était chinois sur le plan ethnique. Est-ce que vous savez si Hong do était mariée Hong was et si elle avait and des enfants, children, des petits bébés en 1978 or small babies, in 1978? She had one child. Hong. Elle avait un enfant. I could not recall her husband's name, probably the name of her husband name Chai, but I was not clear about this. Effectivement, je vais vous lire alors un extrait du procès-verbal de la nommée Long Khun. Long Khun's WRI. C'est le procès-verbal E3/7686. À la page 3, dans chacune des langues. À la page 2, elle a d'abord confirmé que son mari s'appelait Si Chun. À la page 3, elle dit ceci. Je cite. Je sais qu'il y avait son petit frère, Kia, sa sœur, Hong, et son mari, Chai, et les trois enfants de Hong, et ma belle-mère, Niao, N-H-A-V. Ils ont tous été emmenés et exécutés. Les trois enfants de Hong sont... Le premier avait 3 ans.
The first one was 3 years old. Le deuxième commençait à savoir marcher. Et le dernier avait une semaine. And the last one was only 1 week old. Ils vivaient dans un même village, mais on était loin les uns des autres. J'étais à Okandal et eux étaient du côté de Nal Chit, c'est-à-dire la route nationale. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire concernant le fait que Hong et son mari Chai avaient trois petits-enfants et pas un seul? I have poor memory. I'm not sure whether she had one child or three children. But I remember her name, Hong. Et là aussi, comment saviez-vous que here again, how did you know cette famille, that this et notamment family, Chum Kia Hong and in particular, Chum Kia et leur Hong, mère Nao, and their mother Niao were of Vietnamese origin. The mother were ethnic Vietnamese. La mère était vietnamienne. Her husband was ethnic Chinese. Son mari était chinois, lui. His name was known by the name Sia, and he spoke only Chinese. Son nom c'était Sia, il ne parlait que chinois. Est-ce que durant la période comprise entre 1975 et 1978, les membres de ces deux familles, did the members vous avez dit que families, said, plusieurs d'entre eux étaient d'origine vietnamienne, origin, pouvaient well, these, parler vietnamien, conserver leurs vêtements et leurs traditions, ou bien devaient-ils se comporter comme des Khmer? They work like the Khmer people. They sold nom bánh chóc, Khmer noodles. They also wore Khmer clothes. Elle portait également des vêtements Khmer. But she spoke Vietnamese. Mais elle parlait vietnamien. She spoke Vietnamese to her children. À ses enfants. Je ne sais pas si vous avez compris que je parlais bien de la période 75 à 79, quand les Khmer Rouges étaient arrivés déjà sur place. Est-ce que ces personnes avaient le droit de se comporter comme des Vietnamiens, de parler leur langue en public, de porter des vêtements vietnamiens, de fêter les fêtes traditionnelles vietnamiennes? Celebrating j'ai vu que Vietnamese la tradition vietnamienne ritual, était religious ritual. Respectée en célébrant les rituels vietnamiens. Donc là, vous voulez dire que les autorités du Kampuchea démocratique, Khmer Rouge, autorisaient les Vietnamiens à célébrer leurs fêtes entre 1975 et 1979 holy days between 1975 and 1979. They secretly conducted the ritual. En secret, ils menaient ces rituels. À part ces deux familles qui résidaient au village de Yin, y a-t-il eu des personnes d'origine vietnamienne qui se sont installées dans ce village ou dans d'autres villages de la région en même temps que les gens du peuple nouveau? When the new people arrive. In Yin village there were only two families. Est-ce que vous avez jamais entendu parler dans votre district de Chikreng
d'une déportation de familles vietnamiennes en 75 et 76. Between 1975 and 1976. I heard. J'ai entendu. I did not hear about the deportation. Je n'ai pas entendu parler de la déportation. Alors j'en viens à l'année 1978. Now, let me turn to 1978. Est-ce que durant cette année-là in ou auparavant, or before, vous savez si des listes do you de know vietnamiens ou de personnes d'origine vietnamienne Vietnamese ont été constituées par were drawn up les chefs du village, by the en particulier celui de Ying? In particular by the village chief of Ying. No, I did not heard of that. Non, je n'ai pas entendu parler de cela. I did not heard about the list of Vietnamese de la liste people. De Vietnamiens. But before that, mais avant cela, in 1975, 1975, I heard about such a list. J'ai entendu parler d'une telle liste. Je voudrais clarifier ce point. I would like to clarify dans this votre point. Procès-verbal d'audition E3-7685, à la page 2, dans les trois langues, on vous a posé la question suivante. Les gens qui ont été exécutés, savez-vous de quelle nationalité étaient-elles? Vous avez répondu, j'ai entendu dire qu'ils étaient vietnamiens. Au moment où on réunissait tous ces gens, people, le chef du village avait des statistiques. List, il leur disait qu'on les envoyait étudier. Et plus loin, à and la page 3 en français, page, 3 page 4 French, en anglais et page 4 en Khmer, on vous demande, asked, le chef du village qui avait la liste des statistiques des Vietnamiens, avait-il l'ordre de sa hiérarchie? Vous avez répondu, oui, c'était l'ordre de sa hiérarchie. Fin de citation. Donc je vous repose la question, ces statistiques again, que le chef du village avait en main, which the village chief had at quand hand. Avait-elle été établie? When were these statistics et qui cela concernait? And qui est-ce qu'on listait à was l'époque? Concerned by these statistics? Who was being listed? I don't know. Je ne sais pas. Est-il correct de dire is que vous avez rencontré les enquêteurs des juges d'instruction of, OCIJ pour leur faire une visite de VATXA, pour visiter les lieux, leur montrer certains endroits Waxa, à peu près, je crois, il y a 6 ans, 26 novembre 2009, si je me trompe. Yes, I took them to the pagoda. Oui, je les ai amenés à la pagode. Je voudrais citer là aussi le rapport de situation géographique E3-8049 à la page 6 en français, 5 en anglais et 5 en khmer. Ce n'est pas un document que vous avez signé, je crois. Mais le résumé dit ceci, un autre témoin, Yi Vun, n'a pas assisté aux exécutions, mais confirme que quelques mois avant celle-ci, les chefs de village ont reçu l'ordre de dresser la liste de toutes les personnes
d'origine vietnamienne qui habitaient dans leur localité. Living, in, their village. Ces ordres venaient des autorités supérieures. Came from the higher echelon. Un jour, ils ont reçu l'ordre d'envoyer toutes les personnes identifiées à la pagode. Fin de citation. Send all of the people who are identified as such to the pagoda. End of quote. Free translation. President, Vines, please hold on. I give the floor to Council Victor Kopé. You have the floor now. Thank you, Mr. President. I object to the way this question is framed. It makes it appear that he said it twice, once to the investigators, which was then recorded in his WRI, and a second time when he was leading the investigators around the pagoda. But it doesn't follow at all from document E3/8049. So there is no two sources for this one statement. Je vais essayer d'éclaircir cela, Monsieur le Président. Est-ce que, Monsieur le témoin, vous vous souvenez avoir dit aux enquêteurs que les chefs du village avaient reçu l'ordre de dresser des listes des personnes d'origine vietnamienne plusieurs mois avant les exécutions qui ont lieu à Wat Ksar? I do not know about that. Je ne sais pas. Bien, je vais passer à un autre sujet. Going to turn to another topic now. Est-ce que durant la période comprise entre 1975 et 1978, il vous est arrivé d'assister à des réunions importantes présidées par le chef du village, par le chef chief, de la coopérative, by the cooperative chief, ou par le chef de votre commune. Commune chief. No, I never attended any meetings. Non, je n'ai jamais participé, je n'ai jamais assisté. Je voudrais parler de la pagode de Ksa. Now I'd like to speak about the Est-ce que vous en avez déjà parlé? Vous aviez dit que la pagode elle-même, le temple lui-même avait été endommagé et que la maison des moines servait à stocker le riz. Est-ce qu'il y avait d'autres bâtiments importants au sein de ce monastère? The vihara was things in the vihara were also removed. Chanter le vihara a également été enlevé. Things in the temple were also removed. Ou plutôt, se corrige l'interprète, les choses qui étaient dans le temple ont été retirées. D'accord. Okay. Et y avait-il un bâtiment séparé qui s'appelait la bibliothèque des livres sacrés? Called the Library of Holy Books. The library hall were used to store rice. La bibliothèque était utilisée pour entreposer le riz. The library hall, the study hall, la salle d'études, la bibliothèque, they were used to store rice. Les deux salles étaient utilisées and pour entreposer temple le riz. Et le were temple removed, and the monks' residence a été enlevée, were la also cellule où les removed. Des moines ont, elles aussi, été retirées. Quelles étaient les dimensions de ces bâtiments, la bibliothèque et la salle d'études? Est-ce que c'était de grands bâtiments ou were they vous avez big une idée buildings? De leur taille? Can you give me an idea of their size? The length, its length was 10 meters, c'était 10 and the width was en largeur, 6 meters. 6 mètres. There is the study hall.
Voilà pour la salle d'études. Et la bibliothèque, était c'est un bâtiment séparé, bien c'était la même, le même bâtiment qui servait à deux fonctions. A separate building or was it a same building used for several purposes? It was with the study hall. It was the same building. Le même bâtiment que la salle d'études. Si on longeait l'enceinte du monastère, the wall of the en particulier du côté est, in particular on the east side, est-ce qu'on pouvait was it possible voir ce bâtiment to see this building à travers la clôture? Through the fence. Yes. Oui. We could see from the east. On pouvait voir depuis l'est. We could see from the east. On pouvait voir depuis l'est. Et comment était cette clôture autour du monastère de Ksa en 1978? Comment pourriez-vous la décrire? Quels matériaux étaient utilisés pour la construire? The fence was made of wood. La clôture était faite en bois. But mais the fence now la clôture aujourd'hui is made of concrete. Est en béton. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé à la pagode de Ksa en 1978, en particulier s'il y a eu des exécutions? In 1978, there were the execution of ethnic Vietnamese, les exécutions including Thach Quyết, étaient vietnamiennes, y compris Thach Quyết. Tout à l'heure, on a parlé earlier, de Chanta, on a parlé de Thach Quyết, and we spoke about Thach Quyết, de son épouse, and about, on a également parlé wife, de Chum Kia Hong. Chum Kia Hong, ainsi que d'autres membres de leur famille. Est-ce que vous savez si toutes ces personnes sont mortes à Wat Ksa ou bien ailleurs? Thach Quyết was killed at a different site. Thach Quyết a été tué à un autre endroit. Chanta was killed Chanta, at Wat Ksa or Ksak Pagoda. Thach Quyết and Yehai were executed at An Dong Nuon. Executed at An in Chok village. Un, dans un village dont l'interprète n'a pas saisi le nom. L'interprète n'a pas saisi l'entièreté du nom. Est-ce que c'était le village de Chok? C-H-O-R-K, dans un endroit qui s'appelait Damban Andong Nurn. President Witness, le please observe the microphone. Veuillez attendre que votre micro soit allumé. Witness, le témoin. The Andong Nurn area is located Andong in Cho village. Est dans le village de Cho. Très bien. Alors, on va essayer de reprendre well. Cet événement, ces exécutions, d'abord à Wat Ksa, dans l'ordre. Et on reparlera tout à l'heure de ce qui est arrivé à Thach Quyết et we'll à son épouse. Thach Quyết and his spouse. Combien de mois, à peu près, how many months avant l'arrivée des Vietnamiens, a eu lieu, ont eu lieu ces exécutions à Wat Ksa, ces exécutions de personnes d'origine vietnamienne? Sak Pagoda, that is executions of persons of Vietnamese origin. Thajimak
It was about 1 month. C'était environ un mois. It was 1 month after the killing of those people. Après at Ksat, the pagoda, the Vietnamese troops arrived. However, Thaq Quoc was killed later on when he was dragged to be killed in that unknown area. En réalité, devant les enquêteurs des juges d'instruction, document E3-76-85, à la page 2 dans les trois langues, vous avez dit que c'était 5 mois avant la libération de 1979, ce qui aurait fait, si on compte bien, août 78. Est-ce que c'était un mois avant ou 5 mois avant? Est-ce que vous vous en souvenez? I cannot recall it clearly. Je ne m'en souviens pas bien. How many months je ne me souviens pas exactement de combien de mois c'était. Peut-être pourriez-vous nous dire si c'était la saison. However, the killing took place in 1978. I cannot recall how many months. Je ne me souviens pas combien de mois avant. President, please listen to the question before you respond. Avant de répondre. You should listen and understand the question first before you proceed with your response. Avant de répondre. And limit your response only to the question rather than make a lengthy response. Sur lesquels porte la question plutôt que de donner de longues réponses. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, pour vous aider à vous souvenir, thank you, Mr. President. Witness, peut-être pourriez-vous nous dire s'il s'agissait de la saison des pluies ou de la saison sèche. Est-ce que c'était le moment où on repiquait le riz ou le moment où on le moissonnait? Rice was being transplanted, est-ce que vous vous souvenez de ce genre de détails pour vous aider à vous repérer dans le temps? Perhaps such details would help you to remember the time frame when those events occurred. It happened after the harvest season ended. C'était après la moisson, après la fin de la saison de la moisson. Savez-vous pourquoi ou avez-vous jamais entendu des cadres Khmer Rouge dire pourquoi ces gens d'origine vietnamienne ont été rassemblés et exécutés à Vatsak? I myself did not know the reasons non, même moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas pourquoi il y a eu ces exécutions. Est-ce que vous n'avez jamais entendu que dire que les Vietnamiens étaient des ennemis de la révolution? Say that the Vietnamese were the enemies of the revolution. President, the witness, please hold on. Monsieur le témoin, veuillez attendre. And Councillor Copper, you have the floor. Vous avez la parole. La défense. I object to this question je because m'oppose I à la question. Have no idea what the source for this question is. Quelle est la source? There are indeed documents, revolutionary flags. Il existe des documents, des étendards révolutionnaires. They all, including Pol Pot's speech, for instance, y compris speak par exemple about le discours de Pol Pot, tout le monde parle du Vietnam comme l'ennemi. As a matter of fact, in his last interview with Elizabeth Becker, Pol Pot goes at length to make a distinction between, on the one hand, the Yuns, who he always refers to as the Vietnamese communists, the Vietnamese government, the Vietnamese people. So saying that the Vietnamese as such is the enemy of VK is without any source. N'a aucun fondement. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'une leçon d'histoire de la part de la défense. La question était très simple. Est-ce que
was very Et je compte simple. La reposer, Monsieur le Président. Est-ce que May I vous avez jamais entendu again, dire, Mr. lorsque vous étiez dans ce village, did you ever hear anyone des personnes officielles dire que les Vietnamiens, les personnes d'origine vietnamienne, étaient considérées comme des ennemis de la révolution? No, I did not hear that. Non, je n'ai jamais entendu ça. Vous avez parlé de familles d'origine vietnamienne rassemblées à la pagode, puis pour y être exécutées. Savez-vous comment ces personnes ont été amenées ou rassemblées sur place? Brought to that location, ce qu'on leur disait pour les convaincre de quitter leur travail ou leur maison et de se rassembler à la pagode de Bat Ksa. Est-ce que vous avez entendu quoi que ce soit à ce sujet? Ksak Pagoda. Did you hear anything of the sort on that subject? Only selected people were called, and they themselves went to select those people. Certaines personnes ont été appelées et eux-mêmes sont allés choisir des gens. To, the group of the Je parle ici chief du groupe de chefs de village to make the selection of those qui people. A fait le choix, le tri. And they were told ces personnes, to go et on leur and a attend dit study d'aller sessions. Participer à des séances d'études. Et ce tri, comme vous dites, le tri qui a été fait, qui était choisi pour être amené à la pagode et qui ne l'était pas? Regarding the sorting out of the persons you've referred to, who were those selected to go to the pagoda and who were those who were not selected? I did not know about the selection process. Je ne connaissais pas le processus de sélection. Dans votre village, est-ce que les In seules familles, your village, les seules personnes qui ont été amenées à Vat Ksa, c'était d'une part, dont on l'a mentionné tout à l'heure, Chan Ta, et puis la famille de Chung, Theo et Hong. Autrement dit, est-ce qu'il y avait d'autres familles en plus du village de Ying qui ont été amenées à Vat Ksa pour être exécutées? Ying village that were led to the Sak Pagoda for execution. There were only two families. Il n'y avait que deux familles. That is one of Chung la family première, and the other one was of Chan Tha's c'était family. La famille de Chan Tha. Est-ce que vous savez comment ces familles d'origine vietnamienne se sont rendues à la pagode? How those families of Vietnamese origin et je parle à la fois de Chan Tha et de la famille de Chung, mais également d'autres personnes qui auraient pu s'y rendre le même jour. Est-ce que vous les avez vus passer dans le village pour se rendre à la pagode? Through the village, on their way to the pagoda. I didn't witness. Being walked je n'ai pas été pagoda. Témoin, je ne les ai pas observés marcher vers la pagode. Est-ce que ce jour-là, vous saviez, même si vous ne les avez On pas vus marcher, est-ce que vous étiez au courant que by, ces personnes avaient été rassemblées à la pagode de Ksak? Those persons had been assembled at the Ksak pagoda. I knew about it, but I J'étais did not know courant. What they were going to do. Je ne savais pas ce qu'ils allaient leur faire.
Et à votre connaissance, y avait-il seulement les deux familles dont on a déjà parlé, ou bien y avait-il plus de monde? There were also other people. Il y avait d'autres personnes également. Who were brought in from Cold Crown. Elles qui avaient été amenées de Cold Crown et de d'autres endroits. Amongst those who were brought in, parmi les personnes qui ont été emmenées, one was alive. Il y en a une qui était en vie. However, I cannot recall her name. Mais je ne me souviens pas de son about nom. Her origin, and on lui a demandé quelle est votre origine. Chinese. Elle a dit qu'elle était chinoise. President. Le président. It is now convenient to take a short break. We take a break now and resume at 10:30. Court officer, please assist the witness during the break time at the waiting room reserved for witnesses and the civil parties. And invite him back into the courtroom. Le raccompagner at 10:30. The court is now in recess. Suspension d'audience. Okay.